Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo box. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas fait ce genre de vidéo. Là, pour le mois de décembre, j'ai décidé de me faire ce joli cadeau de m'acheter des box beauté de Noël, puisqu'en général, les box beauté de Noël sont les plus jolies de l'année, je trouve. Donc, ce mois-ci, j'ai commandé la Ma Boîte à Beauté donc de Noël et la Beautiful Box de Noël. Donc, pour l'instant, je n'ai pas reçu la Beautiful Box, mais j'ai reçu la Ma Boîte à Beauté à l'instant. Je ne sais pas trop quoi en penser déjà, puisque c'est arrivé dans cet état. Donc j'espère que rien n'a été piqué à l'intérieur, puisque j'ai l'impression que le paquet était ouvert. Ou bien défoncé en tout cas. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dedans, parce que j'espère qu'il y a de beaux produits. Ouh. Ah oui, d'accord, en fait, là où il y avait le scotch, c'était juste comme ça, quoi. Alors, ce mois-ci, dans la ma boîte à beauté, donc qui s'appelle La Merveilleuse, notre sélection des meilleurs produits du moment. Donc voilà la carte, toujours très belle. Je ne regarderai pas à l'intérieur, puisque je ne veux pas savoir ce qu'il y a. Donc on va commencer maintenant. Ouh. Alors déjà, quand on ouvre, le paquet est un genre de gris. J'aurais dit argenté, mais ça fait plutôt gris. Voilà, et il y a déjà un produit sur le côté, là. Donc je vais le prendre. Donc, c'est une lotion micellaire 3 en 1 à l'eau d'Amamélis. J'aime beaucoup l'Amamélis. Et ça s'appelle, enfin c'est de la marque Jamal Paris. Je pense que c'est Jamal Paris, hein, puisque c'est écrit dans une typographie assez spéciale. Je vais sentir, puisque j'aime bien sentir les odeurs. C'est très léger comme odeur. Et ça sent assez bon pour ce produit qui fait 150 ml. Donc je regarderai après si c'est des full size ou pas dans le petit prospectus. Donc déjà pour ça. Ensuite, le pochon qui a l'air vraiment très bien rempli. Il y a quelque chose qui est protégé par du papier bulle déjà à l'intérieur. Et vraiment, il est énorme, il est bien compact. Donc, vite. Alors, premier produit qui me vient, qui est sur le dessus. Oh, waouh! C'est un petit, une petite bougie. Très belle. Dorée. Ça sent super bon. Ça sent super bon. Cette odeur me rappelle quelque chose. Ça me rappelle l'odeur de biscuit. Alors, vanille gourmande. Oui, donc c'est la vanille. Bougie parfumée de la marque Le Chat, apparemment. Je vais vous montrer le dessous pour que vous puissiez voir. Voilà. Et donc, oui, ça sent la vanille, mais ça sent vraiment la vanille incorporée dans un biscuit, je trouve. Un peu une odeur de biscuit à la vanille. J'aime beaucoup et c'est vraiment typiquement, en fait, le genre d'odeur qui va avec Noël, je trouve. Très chouette, pour une fois qu'il y a autre chose qu'un... Oui, je suis en train de réaliser, c'est vrai que c'est rare qu'il y ait autre chose qu'un produit make-up ou un produit soin dans ma boîte à beauté. Donc franchement, agréablement surprise. En tout cas, cette bougie est made in France. Bon, c'est un parfum de synthèse, je vois, pour une box un peu axée sur le bio, etc. Ils auraient peut-être pu faire une bougie, je sais pas, éco-cerdre, enfin, je sais pas si ça existe, mais une bougie respectueuse de l'environnement, on va dire. Donc on verra. Ensuite, il y a un petit truc, on dirait un crayon. Oh, alors, qu'est-ce que c'est? Une étoile d'or sur ma peau, crayon pailleté, visage et corps. Ah, donc on peut peut-être se dessiner des trucs sur la peau avec ce crayon, je ne sais pas. Donc c'est de la marque De Bruyère Paris. On avait déjà eu un vernis de cette marque dans une précédente box que j'adore. Franchement, c'est un vernis rouge, mais c'est vraiment le rouge parfait, je trouve, comme vernis. Donc là, c'est la même marque. Voilà, donc ça se présente
comme ça. Je vais voir parce que moi, en général, les couleurs dorées sur ma peau, comme je suis assez blanche, ça se voit pas vraiment. Ouais, en fait, on voit pas vraiment la couleur dorée, mais on voit que ça scintille. Et il fait 5 grammes. Ensuite, un tube de la marque Cénève. Oh, mais j'ai déjà eu ce produit dans la box. Oui, j'ai eu exactement ce même produit dans une précédente box. Donc, ça fait 75 ml. C'est de la marque Cénève, jambes et pieds plumes, gelée fraîcheur. Alors ça, pour moi, personnellement, c'est plutôt le genre de produit à avoir durant l'été, puisque c'est pour alléger les jambes lourdes. Et franchement, j'ai déjà eu ce produit, je crois même que je ne l'ai pas terminé, puisque oui, je crois qu'il me faisait du bien, mais bon, je suis pas fan, en général, de ce genre de produit. Donc, bof, quoi. Enfin, je sais pas, en général, une box, c'est pour découvrir des produits, donc remettre des produits qu'on a déjà eus, ça vraiment, si c'est un produit exceptionnel, je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, je vais prendre ceci puisque ça m'intrigue. Oh, j'adore. Donc, baume gourmand pour le corps, nourrit et hydrate, de la marque Rivadouce. Et ça fait 40 ml, donc c'est un petit pot comme ça. Alors, je ne sais pas du tout si c'est un full size. En général, ma boîte à beauté nous habitue à des full size, donc j'espère que c'en est. J'ai plein de crèmes pour le corps à utiliser. Là, c'est un baume pour le corps, donc je ne sais pas trop. Ah oui, ça sent la pêche ou un fruit dans ce genre-là, quoi. Ça sent très très bon, par contre. Donc, est-ce que c'est un produit bio? Made in France, toujours. Ça, c'est bien. Mais c'est pas un produit bio. C'est bizarre, je vois aucun produit bio dans cette box. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Ou alors, c'est pas précisé non plus, mais pour l'instant, pas de produit bio. Même ça. Non, même ça. J'ai rien. Donc, pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser, mais bon, on verra. Il y a plein de produits dans cette box. Ensuite, Polar. Donc j'aime beaucoup cette marque. Ma boîte à beauté nous a habitués très souvent, très régulièrement à avoir des produits de cette marque. Franchement, j'ai découvert cette marque dans ma boîte à beauté et j'aime beaucoup. Donc là, c'est Ice Source. Gelée hydratante. Eau des glaciers encapsulée. Ah oui, ils avaient mis un indice, il me semble, sur leur page Facebook là-dessus. Donc pour peau mixte à grasse, donc c'est génial puisque c'est exactement mon genre de peau en fait, mon type de peau. Et très souvent il y a des produits pour les peaux sèches et ça ne me convient pas trop. Donc ça fait 25 ml, par contre c'est petit, je ne sais pas du tout si c'est un full size, je regarderai après. Ensuite, encore un tube. Oh, on l'a déjà eu aussi ce produit, mais je comprends pas pourquoi ils mettent plein de produits qu'on a déjà eu en fait. Donc par contre, j'avoue que ce produit j'adore. Donc c'est un lait de soie fabuleux de la marque Arème d'essence. Donc ça fait 75 ml il me semble. Oui, 75 ml. Je l'ouvre pas parce qu'en fait je connais cette odeur. Et d'ailleurs, le packaging sent déjà l'odeur. Est-ce que c'est ouvert? Oui, bah c'est déjà ouvert en fait. J'adore cette odeur. Je suis complètement fan de cette odeur. Je vous le remontre parce que ça c'est vraiment une crème. Typiquement j'adore et je crois que ça coûte assez cher en plus, donc voilà, ça par contre même si je l'ai déjà eu, je ne regrette pas de l'avoir une deuxième fois parce que franchement j'adore. Ensuite, je vais laisser le truc le plus gros qui est dans le papier bulle pour la fin. Alors, nous avons eu un produit de la marque Funetic. Pareil, c'est une marque que j'ai découvert dans ma boîte à beauté, que j'aime beaucoup. Là, c'est un produit que je n'ai jamais reçu personnellement. Donc c'est un masque. Ah, c'est génial parce que j'avais presque plus de masque en plus. Donc vivre ses 30 ans en plus, ça me convient complètement puisque j'ai 30 ans et d'habitude on avait des produits pour vivre ses 20 ans. Donc ils ne correspondaient pas forcément à l'âge de ma peau en fait. Donc là c'est un masque, hydrate, nourrit, régénère, parfum 100% naturel, rose et néroli. Donc il y a aussi de la framboise apparemment. Et ce que j'aime beaucoup avec cette marque, c'est que c'est une marque biologique. Certifié EcoCert, il me semble, cosmétique bio, Chartres cosmétique en tout cas. Voilà, donc
premier produit bio que je vois de cette box. J'ai pas vérifié si ça c'était un produit bio. Arème d'essence, non, il me semble pas non plus. Donc voilà. Et là, ce petit produit, 50 ml. Voilà, et c'est un flacon pompe. J'aime beaucoup ce genre de packaging. Donc maintenant, je vais prendre le plus gros produit, hein, parce que ça m'intrigue vraiment. C'est ce qui prenait le plus de place dans le pochon, comme vous pouvez le voir. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais de visu, comme ça a l'air bien. Qu'est-ce que c'est ? Bon, le plus gros flacon de la marque Rivadouze, donc c'est la même marque que le baume pour le corps. Ça a l'air d'être un gel douche ou je sais pas. C'est un gel douche. Senteur mangue, oh mon dieu, j'adore cette senteur dans les gels douches. Donc senteur mangue, est-ce qu'il est fermé ? Il est fermé, mais c'est pas grave, je vais l'ouvrir. J'ai envie de sentir. Ah, ça sent bon. Ça sent bon. J'adore. J'adore cette odeur. Donc c'est un gel douche qui fait 250 ml. Donc c'est bien. Il y a de quoi se laver. Et ça va, je suis contente. Et avec, il y avait Jardin des songes, parfum d'ambiance, patchouli, vanille et bergamote. Oh, c'est génial! Je pensais que c'était encore un truc pour le corps ou pour les cheveux ou autre. Et c'est un parfum d'ambiance. Et comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de trucs qui font sentir bon en fait pour chez moi. J'aime beaucoup. Ça sent bon. Ça sent super bon. On sent beaucoup la vanille. Oui, ça m'est tombé dessus. Mais j'aime bien. Ah, j'aime bien. Encore une fois, pour moi, la vanille... Enfin, je sais pas pourquoi, mais la vanille, pour moi, c'est une odeur qui sent Noël, en fait. Pourquoi ? Je sais pas. Donc, voilà pour cette box. Alors, je vais regarder ça parce que... On a eu plein de produits, je vais les compter, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 produits dans cette box. 10 produits dont 2, le cos et la bougie pour des senteurs d'ambiance dans la maison. J'aime beaucoup le principe de nous avoir fait cette surprise. Parce qu'en général, la période de Noël, c'est la période où on aime bien que ça sente bon dans la maison. Les deux iront très bien ensemble en plus. Donc, c'est parti. Alors, à l'intérieur, on a aussi eu 10% sur notre première commande sur le site Rivadouze, dès 29€ d'achat. On a eu du 4 au 10 janvier 2016 vos soldes privés moins 40% sur maboîteabeauté.com. Ça c'est bien, 40% c'est quand même bien parce qu'en général sur les boutiques les prix sont quand même assez chers puisque c'est les prix plein pot. Hein. Et 20% sur notre site avec le avec un code sur quel site ? Polar. Alors, le petit machin. Cos. Donc le parfum d'ambiance. Waouh ! Ça fait 50 ml ça ? Donc c'est un full size, ça vaut 38€. Ce truc vaut 38€. J'aurais jamais mis 38€ dans un parfum d'ambiance, hein, je vous le dis. Donc vous aviez soit le choix entre Jardin de l'Aube, donc... Ah non, c'est pas ce que j'ai eu. Jardin des songes ou Jardin de l'Aube. Donc Jardin des songes, c'est donc patchouli, vanille, bergamote. Et Jardin de l'Aube, c'était thé vert et bouquet floral. Ça m'aurait bien plu aussi, thé vert. Parce que je préfère les odeurs fraîches en général que les odeurs sucrées. Mais bon, je ne me plains pas. Hein. Pour 38€, je vais l'utiliser. Ensuite, l'eau micellaire. Donc, aïe, pardon. Donc ça vaut 14€. 150 ml. Donc 150 ml. Par contre, ils ne disent pas si c'est un full size ou pas. Donc 150 ml en même temps, c'est possible que ce soit un full size hein, pour une eau micellaire. Donc ça vaut 14€. Donc phonétique masque visage, il est où ? Il est là. Donc ça vaut 9,50€. Je
pense que c'est un full size. Ensuite, Polar, gelée hydratante, 25 ml, donc c'est pas beaucoup, hein, et ça fait 19 euros ce tube. Ça vaut super cher. Ensuite, Arame d'essence, 75 ml, ça vaut 19 euros. Donc oui, comme ça, comparé aux autres trucs, ça vaut pas cher, mais quand même 19 euros pour cette quantité, moi personnellement, je l'aurais pas payé. Hein. Mais franchement, je kiffe cette odeur. Le crayon, il vaut 15 euros ce crayon. Le crayon à paillettes. Voilà, donc je pense aussi que c'est un full size. Le arôme d'essence aussi, c'est un full size, je suis presque sûre parce que je l'ai déjà reçu. Le gel douche de 250 ml. Et le baume. Ah d'accord, donc les deux ensemble, ça vaut 9,50 euros. Donc c'est pas exagéré. Donc c'est une marque qui peut se trouver facilement, je pense, et surtout qui est abordable. Donc ça, c'est bien aussi de mettre ce genre de produit. Et le 9e produit, surprise, donc pour un prix moyen de 13 euros. Donc c'est la petite bougie qui coûte 13 euros. Non, mais non, votre 9e produit surprise, prix moyen 13 euros. Et en cadeau, votre bougie de Noël au senteur gourmande, 15 euros. Ben c'est quoi mon produit surprise pour 13 euros? Bah c'est quoi mon produit surprise? Ah mais c'est ça! Ben oui, il n'y est pas. D'accord, donc je comprends. Donc en fait, ils ont, pour un comme produit surprise, ils ont remis un produit qu'on avait déjà eu donc dans une box. Donc ça va. Comme c'est un produit surprise, donc en plus, je vais pas non plus voilà, me plaindre. Donc voilà, franchement, pas trop mal. Plein de, pas mal de petits produits, en fait, même si je pense que ce sont des full size, mais pas mal de produits, petits produits ce mois-ci. Mais dans l'ensemble, il y a des choses assez sympathiques. Alors franchement, clairement, mes coups de cœur de cette box sont le gel douche à la mangue. Ça, je vais adorer. Franchement, je vais adorer. Le arôme d'essence, même si je l'ai déjà eu, mais clairement, c'est... Je pense que c'est même le produit chouchou de cette box. La bougie à la vanille, je suis complètement fan. Enfin, pour moi, la bougie au biscuit, parce que ça sent trop le biscuit. Ceci, je suis complètement fan aussi du produit d'ambiance et bien entendu le masque puisque j'en avais presque plus et que j'aime beaucoup cette marque. Et aussi, mais en fait j'ai plein de produits chouchou là, l'eau micellaire Jamel, je suis très 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 contente. Et aussi la gelée hydratante de chez Polar, donc que je vais m'empresser de tester. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits sur 10 dont je suis très très contente en fait. Après personnellement pour moi le crayon, ça c'est le genre de truc typiquement sur le coup on est content, mais en fait on s'en sert jamais, ça reste toujours au fond du tiroir. Le baume gourmand pour le corps, pas plus que ça non plus puisque j'ai d'autres trucs à mettre et enfin je sais pas, voilà. Et ça pareil, bah, c'était en plus, je l'ai déjà essayé, il était pas trop mal mais je suis pas fan. Donc voilà pour cette box. Je sais pas du tout depuis combien de temps je suis en train de filmer. Je suis assez contente dans l'ensemble. Mais je sais pas pourquoi en fait j'attends avec impatience la Beautiful Box. Mais voilà, enfin pour une box de Noël, heureusement qu'il y avait quand même ces deux produits parce que sinon ça faisait pas trop trop Noël. Hein. Voilà, on va être franche. Voilà, donc c'est uniquement ces deux produits qui faisaient que cette box faisait un peu féerique. Donc, merci pour cette box, ma boîte à beauté. Elle était quand même assez bien dans l'ensemble. Je vous fais d'énormes bisous. Je vais continuer un peu mon vlogmas de la journée. Et je vais aller me battre avec mon imprimante surtout. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!